Shalom, shalom, je suis le pasteur Philippe du ministère de la compassion des âmes du prophète Joël Crassou. Et nous sommes ici en cette date du samedi 26 août 2017, précisément au centre péniel du prophète Joël Crassou à Divo. Il faut dire que le centre consiste en la délivrance des âmes ensorcelées, ceux qui sont animés, l'esprit de la sorcellerie, c'est-à-dire qui pratiquent la sorcellerie, et même ceux qui sont victimes des œuvres de la sorcellerie, parce que Dieu nous a donné le pouvoir sur les œuvres de la sorcellerie. À travers son serviteur, lui, Dieu a opéré des miracles, et j'ai avec moi un jeune homme. Comment tu te sentais avant? Comment tu es arrivé ici au centre? C'est à cause de ma tante. Elle m'a parlé. C'est ta tante qui t'a parlé du prophète. Elle m'a dit de qu'est-ce que tu avais pour que ta tante t'oriente ici, chez j'étais le prophète? Sorcier, puis elle cherchait un saint. Tu avais la sorcellerie. Tu pratiquais la sorcellerie. Comment tu pratiquais la sorcellerie? Dis-nous un peu comment toi tu pratiquais la sorcellerie. J'étais sorcier et initié mes deux petits frères. Tu as initié tes deux petits frères, c'est-à-dire que tu leur as donné la sorcellerie aussi. Et puis, tu as tué 11 personnes. Tu as tué aussi 11 personnes qui ne vivent plus du tout. Oui. Et puis, gâté la vie de mon papa. Tu as détruit la vie de ton papa. Et ma maman. Avec ta maman. Et tu es arrivé ici au centre. Ici, arrivé au centre. Et puis, tu as été délivré de la sorcellerie à travers le serviteur de Dieu. Le prophète Joël Crassou. Est-ce que tu peux nous donner un témoignage de ta délivrance? Comment tu sens maintenant? Qu'est-ce que tu sentais avant? Maintenant, quand tu dors, comment tu te ressens? Quand il dort maintenant, il ne voit plus rien, il dort bien. Il ne voit plus rien. Il ne voit plus rien, il dort bien. Est-ce que tu arrives à sortir de ton corps encore pour aller faire la sorcellerie? Il n'arrive plus à sortir de mon corps. Il ne peut plus sortir de ton corps pour faire la sorcellerie. Oui. Parce que quel est le message que tu peux donner à ceux qui te regardent en ce moment? Ceux qui font la sorcellerie qui ne sont pas encore délivrés, quel est le message que tu peux leur donner? Ceux qui font la sorcellerie, cherchez à voir le ministère du prophète Joël Crassou pour vous faire délivrer de la sorcellerie. Ils cherchent à voir le prophète Joël Crassou pour leur délivrance. Ça veut dire que c'est l'endroit sûr pour être délivré de la sorcellerie. Jusqu'où dit qu'on peut être délivré de la sorcellerie, ceux qui ne croient pas encore, Dieu a donné l'autorité sur les démons, il a donné le pouvoir aux chrétiens que nous sommes sur les démons. Et c'est ce pouvoir, cette loi que Dieu met, le prophète Joël Crassou met en application en délivrant des œuvres de la sorcellerie. J'ai avec moi, tout juste à mes côtés, une maman et sa fille qui sont venues pour sa délivrance. Nous allons leur arracher quelques mots, savoir qu'est-ce qui se passait dans leur maison avant qu'ils n'arrivent ici. Je te présente, oui. Nous, c'est Bagayoko Awa. Ok, Bagayoko Awa, et c'est la maman qui est là. Bagayoko Brassi. Ok. Qu'est-ce qui se passait dans la famille avant que vous n'arriviez ici? Comme l'a dit la dernière fois, maman, elle dit depuis 20 ans, ouais. Ça fait 20 ans aujourd'hui, mais nous, on n'était pas au courant. Oui. C'est en 2014 que moi a commencé. Oui. Et en 2016. 20 ans de quoi? Il y avait 20 ans que les gens la traitaient de sorcière. Oui, ça fait 20 ans qu'on la traitait de sorcière. Ça veut dire qu'on la voyait à tout moment. Mais il paraît que peut-être sa famille n'était pas au courant. Puisque dans sa famille même, personne ne parlait de ça. Après quelques années, ça a pris. C'est rentré dans la famille. Mais malgré, quand c'est rentré dans la famille, moi je ne croyais pas. Et puis je ne faisais pas attention à tout ça. Okay. Et maintenant, après, comment toi-même tu as su qu'elle était dans la société? Comment, qu'est-ce qui t'a poussé à dire qu'elle était dans la société? Moi, c'est en 2014, je me poursuivais dans le rêve. Et puis, comme je ne me cachais rien, chaque fois tu lui disais. Je lui disais, il dit, moi, c'est ça, je l'ai dit. Moi, je passe dessus. J'étais bien en forme, mais je faisais mes trucs dessus. Ouais. C'est en 2016 maintenant 2016, que j'ai vu le visage de la personne. Tu as vu le visage dans le songe. C'était quel visage? C'était le visage de ma mère. Le visage de ta maman que tu as vu dans le songe. Et qu'est-ce que ce visage faisait dans le songe? Dans le songe, la personne a tiré mes cheveux. Et le lendemain, je ne me suis plus retrouvée. Jusqu'aujourd'hui, tu t'es plus retrouvée. Donc toi aussi, tu as commencé à croire qu'elle était. Tu t'es convaincu qu'elle était dans la sorcellerie. Oui, parce que je la voyais. Qu'est-ce qui se passait en toi pour que tu l'accuses comme ça? Depuis que tu as vu la personne prendre ton visage, peut-être le visage de la maman pour venir t'attaquer, notamment. Et toi aussi, comment tu t'es senti depuis ce jour-là?
dans ton corps. Dans mon corps, je me suis senti mal. Mal. Parce que elle sorcière va se lever pour tirer tes cheveux. Est-ce que tu vas te sentir bien? Tu vas pas bien te porter. Donc, je l'ai accusé. Tu l'as accusé aussi. Je l'ai accusé. Mais le premier jour, je lui ai dit, il dit, moi, quelqu'un a pris ton visage. C'est pour ça que je lui ai dit, quelqu'un. Quand j'ai reçu un appel pour dire, si tu ne sors pas, ta maman va te tuer. Donc, je me suis dit, ma maladie là. Donc, ça a pris ce gars là alors. Oui, quelqu'un a appelé. Quelqu'un a appelé, je ne savais pas. Je ne sais même pas. Je ne connais pas la personne. Je ne connais pas la personne. La personne t'a appelé pour dire c'est ta maman qui est à la base de ton malheur. Et si tu ne sors pas de la ville, ta maman va te tuer. Va te tuer. Okay. Donc je me suis dit, je suis dans la maison chaque jour ici. Qui sait en ville là-bas, dans la ville de Séguéla, que moi je suis malade. Oui. Séguéla, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Oui. Oui. Il dit, mais qui c'est ça? C'est du chéri. Attends, je vais sortir. Elle était assise au sac. Je l'ai dépassé sur la fête. Vous rappelez le numéro? La personne n'a pas dérangé. Le numéro n'est passé plus. La personne le numéro passe a sonné. La personne n'a pas dérangé. Donc j'ai appelé automatiquement ma grande soeur. Il dit quoi? J'ai reçu un appel tout de suite pour dire, ah, si je ne sors pas dans la maison, maman va me dire, oh non, il ne faut même pas croire tout ça. C'est faux. Il dit, ah, c'est toi que tu vois, parce que moi je crois. Il dit, non, quand j'ai vu son visage, je ne croyais pas. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Après ça, je suis sortie dans la ville. Ouais. Quand je suis sortie dans la ville, je suis venue à Daloa. Mm-hmm. Après, je suis retournée à Séguéla pour parler. Vous voyez marabout. Un marabout. Le monsieur m'a dit, ah ouais, tu es attaché. Mm-hmm. Tu es attaché. Sérieusement même. Voilà pourquoi le songe que tu as fait là. J'ai analysé et j'ai vu que tu es attaché dans la sorcellerie. Ouais. Donc ils vont te manger. C'est le marabout qui m'a dit ça. Ouais. Ils vont te manger. Je suis attaché. Je suis enfermé. Tout est bouclé sur toi. Tout est bouclé sur toi, oui. Il dit, bon, c'est qui? C'est ta propre mère. Et le marabout confirme que c'est ta propre que mère. Que c'est ma propre mère. Alors que toi, tu l'avais déjà vu. Je l'avais tu avais déjà vu son visage dans le sommeil. Il dit, voilà. Il dit, c'est vrai ce que tu as dit. Donc, du coup, le marabout, il se joint à toi. Ça te donne la conviction que ta maman est véritablement dans la sorcellerie. C'est qu'il y a quitté ce gars-là. Le même, je me suis retournée sur là. Et comment tu t'es retrouvé ici? Je me suis retrouvée ici. C'est ma tante qui est restée aux États-Unis qui m'a appelée. Elle m'a dit, ah ouais, va voir le prophète Joël Crasson. Il dit, bon, il est où? Elle dit, ah, c'est que celui il est en Côte d'Ivoire là-bas. Il dit, ah. Il dit, d'accord, je vais rentrer sur le face et je vais le voir. Donc j'ai tapé le nom, je lui ai dit, monsieur, il est un petit dernier monsieur en robe noire. Est-ce que c'est ici? C'est pas au Nigeria là-bas, là. C'est robe noire. Moi, je suis arrivé chez quelqu'un ici. Oui. Là, ouais, en tout cas. Donc j'ai mon oncle qui était avec nous, ma belle-femme. Oui. Il a dit, ah. Va faire un tour là-bas. Va faire ton père. C'est comme ça que tu es venu ici. C'est dans ça que je suis venu ici. Je n'ai même pas dormi la nuit. J'étais tellement pressé. Et c'était même de voir la vie de Divo, mais et croiser. Tu es venu seul ou bien? Je suis venu seul. Le lendemain, je me suis réveillé à 7, 6 heures. C'était ma première fois de mes pieds à Divo ici. Et la maman, comment elle s'est retrouvée ici? Maman, ça n'a pas été facile. On était obligé de botter au à la voix, elle est musulmane, donc elle ne croit pas à la religion chrétienne. Même le jour où elle a mis pied dans le centre ici, là, elle ne savait pas ce qui s'est passé. On ne lui a rien dit. Mon oncle m'a approché. Ah ouais, fais-moi ça. Je sais que tu es fâché. Garde ton calme. Reste tranquille. Tu as envie de petit. Mais malgré ça, je ne riais pas avec elle. C'est la nuit quand le prophète l'a appelé. J'étais tellement pressée. On dit d'aller mettre ma bouche dans l'oreille du prophète pour dire, ah, il faut attraper la dame là-bas. Parce que voilà, c'est pour cela que je l'ai fait venir à Dieu ici. Pour l'attraper. Je n'ai pas menti. Quand le prophète l'a dit, viens. Lève-toi, tu n'es pas sorcier. Tu n'es pas sorcier. Tu as crié. J'ai crié en même temps, j'ai été posé ma question. Est-ce que le prophète, vous avez déjà reçu avant cette révélation? Le prophète est venu la dernière fois qu'il est quitté au stage-là. Le prophète m'a pas reçu. J'ai crié. Quand il montait dans sa voiture, je l'ai regardé dans sa voiture. Il dit, il n'y a pas de problème, je vais rester. La secrétaire m'a dit, ah, mon frère, s'il vous plaît. Et j'ai mis à prier. Il dit, le jour où le monsieur l'a révélé, c'est la première personne qu'il va se prendre. C'est ma tête noire à la main. Toi, c'était dans ta prière. C'était dans ma prière. Effectivement, Dieu l'a fait. Je suis merci à Dieu. Dieu l'a fait. Comment Dieu a fait? Comment Dieu a exaucé? Dieu l'a révélé. Et puis, le prophète nous a appelé. Je ne connais pas son numéro. Je l'ai vu comme ça, mais pour dire bonjour, papa. Mm-hmm.
Le prophète m'a appelé, j'étais tellement contente. Et puis, surprise même vraiment. Elle me dit, quand le prophète l'a appelé, elle nous a dit, c'est à quoi ça vous m'avez dit, oui, c'est à quoi ça. Quand tu me crois, elle m'a dit, oui, je te crois. Puisque le prophète a dit que tu es habillé. Donc ça veut dire que tu n'es pas. Tu es habillé, on prend ton visage pour aller faire la sorcellerie. Elle m'a dit, ah, il faut m'excuser. Même le jour même, j'ai même dit, je me suis mise en genoux devant elle. Parce que je l'ai insulté, ça c'est que tu me prends. J'ai pris le téléphone, le jour de Ramadan, j'ai crié sur le téléphone. Il dit, tu peux me faire ça. Tu l'abusais déjà, puisque toi-même tu l'avais déjà vu en songe. Et ensuite, les marabouts ont confirmé que c'était elle qui était à la base. Donc toi-même tu étais déjà découragé, tu avais déjà une idée arrêtée sur ta maman. Voici un peu ce qu'on appelle les ruses du diable. Et aujourd'hui, voici, depuis que vous êtes là, comment vous vous sentez? Après, tu sentais un mal aussi. Quel a été le soutien du prophète? Aujourd'hui, comment tu le sens? Je me sens bien. Puisque ce qui était dans mon cœur quittait tout, je me sens bien. Elle aussi, elle n'arrivait pas à dormir. Puisque elle avait perdu une fille. Et si le prophète ne parlait pas la dernière fois, elle n'allait plus me retrouver d'elle. Ça seulement. Donc, non seulement le prophète a joué un rôle de réconciliation, et puis aussi, elle a fait la délivrance de la famille. Aujourd'hui, la famille, la famille. Est-ce qu'aujourd'hui, Awa s'entend bien avec sa maman? Awa s'entend bien avec sa maman. Est-ce que le premier amour qu'elle avait pour sa maman est là aujourd'hui? C'est parce que je n'ai pas l'argent. Sinon, s'il y avait l'argent, j'allais la faire partir à la maître pour me faire pardonner. Voilà, j'allais le faire. C'est parce que je n'ai pas. Pour me faire pardonner, parce que je l'ai insulté. Je ne peux pas mentir. Quand j'ai fini de l'insulter, je l'ai. Donc tu dis, Awa, tu peux. Et puis, je ne l'ai jamais insulté. Si j'avais le moyen, j'allais le faire. Amen. Le deuxième, notre Dieu, comme c'est le temps. Amen. Amen. Ok, voici, c'est bien clair, ça a été bien dit. Et c'est pourquoi la Bible dit que lorsqu'un prophète prophétise la paix, c'est-à-dire s'il joue un rôle de réconciliation, un rôle de réconciliateur dans une famille, c'est par l'accomplissement de ce qu'il dit qu'on le reconnaît comme véritable envoyé de Dieu. Donc voici le rôle qu'a joué le prophète. Non seulement il a délivré l'enfant, la fille qui était véritablement envoûtée, la fille qui avait un serpent mystique dans son ventre qui tournait dans son corps et qui l'empêchait même de vaquer à ses occupations. Et la maman aussi qui était accusée d'être sorcière, la voici aujourd'hui. Le manteau de la sorcellerie qu'on lui avait porté est tombé grâce bien sûr à la délivrance que Dieu lui a accordée à travers le serviteur de Dieu, le prophète Joël Crasso. Donc aujourd'hui, voici la paix et la joie qui est revenue dans la famille. Voici le rôle que le prophète joue. Voici un peu le travail qu'il fait. Shalom et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Je suis le pasteur Philippe du ministère de la compassion des âmes du prophète Joël Crasso. Nous sommes en cette date du samedi 26 août 2017. Nous sommes précisément au centre Péniel du prophète Joël Crasso, ici à Divo. Il faut dire que le centre est un centre de délivrance de tout ce qui est possession démoniaque. Puisqu'on peut être délivré, il y a ce qu'on appelle la possession démoniaque. Donc quand on est possédé, on cherche à faire la délivrance. Et j'ai avec moi une jeune fille qui est venue pour sa délivrance. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Zéloge Doris. Ange Doris, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu es arrivé ici? J'étais sorcière, puisque mes parents t'ont amené ici. Tu avais la sorcellerie, tu pratiquais la sorcellerie. Et ce sont tes parents qui t'ont amené ici. Quand tu dis j'étais sorcière, qu'est-ce que tu faisais concrètement pour dire que tu étais sorcière? J'ai tué. Tu as tué? J'ai tué. Tu as détruit la vie des gens? Oui. Oui, j'ai mangé aussi. Tu as mangé aussi la chair humaine? Oui, c'est ce que tu faisais. Ok. Et depuis que tu es arrivé ici, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vous êtes arrivé ici. J'étais délivré. Délivré? De la sorcellerie? De la sorcellerie. Quand tu dis que tu es délivré de la sorcellerie, qu'est-ce qui prouve que tu es délivré de la sorcellerie? Comment tu te sens aujourd'hui? Maintenant, je me sens bien. Avant, je ne me sentais pas bien. J'étais étourdi et je faisais les mêmes.
Tu faisais des choses qui n'étaient pas bonnes. Mmh. Et maintenant, tu ne fais plus. Quand tu dis que tu ne fais pas des choses qui ne sont pas importantes, c'est insuffisant. Parce que celui qui n'a pas la sorcellerie aussi peut faire aussi des choses qui ne sont pas importantes. Mais toi-même, là, après ta délivrance, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu es venu ici dans ce centre, quand tu as été délivré, maintenant, est-ce que tu arrives à sortir de ton corps puisque tu étais doublé? Donc, le dédoublement, est-ce que tu arrives à le faire encore? Tu ne peux plus sortir de ton corps. Tu ne vas plus te promener là-bas aussi. Tu ne peux même plus sortir de ton corps. Quel est le message que tu peux donner à ceux qui te suivent, qui ne sont pas encore délivrés de la sorcellerie, ceux qui pratiquent encore la sorcellerie? Je lui ai dit, on va arrêter de suivre Dieu, si on est béni. On va arrêter de prendre la sorcellerie, que la sorcellerie, ce n'est pas une bonne chose. Que ça détruit les gens, ça détruit les parents aussi. Est-ce que tu peux leur recommander aussi de venir ici dans ce centre, puisque c'est ici que tu as eu ta délivrance aussi, et tu es convaincu de ta délivrance? Est-ce que tu peux les inviter à venir aussi dans ce centre pour leur délivrance, ou bien tu leur proposes ailleurs? Je leur demande de venir ici pour leur délivrance. Okay. Ça veut dire que tu es passé ailleurs, la délivrance n'a pas marché. Donc c'est sous indication de ta tante que tu es arrivé ici. Puisqu'elle avait déjà le nom du prophète Joël Crasso. Après plusieurs passages dans les camps de prière, cherchant la délivrance, c'est là que vous êtes venu ici. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, ça a marché. Vous êtes délivré bien. Vous ne sortez plus de votre corps. Vous ne pouvez plus tuer quelqu'un. Vous vivez normalement comme vous. Est-ce que tu es convaincu qu'on peut être délivré de la sorcellerie? C'est sûr qu'on peut être délivré de la sorcellerie. Donc tu crois en ta délivrance. Amen. Ok, voici un peu le travail que fait le prophète Joël Crasso. C'est sûr qu'on peut être délivré de la sorcellerie en écoutant le témoignage de la jeune femme. Ce n'est pas un montage, c'est la vérité. C'est sûr, c'est des choses qu'on a vues, des gens même qu'on a délivrés, avec qui nous travaillons, avec qui nous mangeons aujourd'hui. Et voici, c'est le cas de la jeune fille. Par la grâce de Dieu, elle est passée dans le camp de prière du prophète Joël Crasso. Elle a été délivrée de la sorcellerie. Le message qu'elle lance, elle demande aussi à tous ceux qui ne sont pas encore délivrés de la sorcellerie de passer ici, dans le camp du prophète Joël Crasso, pour expérimenter aussi la délivrance. Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom, je suis le pasteur Philippe du ministère de la compassion des âmes du prophète Joël Crasso. Nous sommes en cette date du samedi 26 août 2017, précisément au centre Péniel à Divo du prophète Joël Crasso. Et il faut dire que le centre a pour particularité la délivrance des œuvres de la sorcellerie. Tout ce qui est diabolique, c'est d'abord un ministère chrétien et ensuite qui est spécialisé dans la délivrance. Donc voici un peu, c'est comme ça, cette dame s'est rendue ici pour sa délivrance. Nous allons recueillir un peu ses propos. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Okobe Natacha Augustine. Okobe Natacha Augustine. Et comment vous êtes arrivée ici? Bon, je suis arrivée ici par l'intermédiaire de mon mari. Par l'intermédiaire de votre mari. Il avait déjà l'information sur le centre. Sur le centre, il avait déjà l'information sur le centre. C'est comme ça que vous êtes arrivé ici. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Bon, parce que ce qui m'a amené ici, j'avais 10 ans de cela. Je lui avais. J'avais 10 ans déjà. Voilà. Je lui avais dit que j'étais une sorcière. Puis tu étais une sorcière, tu pratiquais la sorcière. Voilà, sorcière. Quand tu dis que tu étais une sorcière, qu'est-ce que tu faisais concrètement? Tu disais que tu avais la sorcière. Qu'est-ce que tu faisais? Tu disais que tu avais la sorcière. Parce que la nuit, quand je dors, je vois que je partais, je quittais de mon corps, et je sortais de mon corps et je partais dans un autre monde. Dans un autre monde. Dans là-bas, qu'est-ce qui se passait dans l'autre monde? Dans l'autre monde, on tuait des gens, on gâtait la vie des gens. Gâtait la vie des gens. Donc ça veut dire que tu as détruit la vie des gens. C'est comme ça que tu es arrivé ici. Ouais, c'est comme ça, quand je lui ai parlé de ça, et j'étais une sorcière, et il a fait les recherches. Tu m'es là ici. Tu es arrivé ici maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé ici. Bon, le début, quand je suis arrivée, je lui ai posé la question, mais ici c'est quoi? C'est quelle maison qui est ici? Et il m'a dit, voilà, tu te rappelles une année, tu m'avais dit que tu étais une sorcière. C'est vrai que je t'en prie. Elle est restée patiente. Voilà. 10 ans après. Oui,
il revient sur le dossier encore. Pour dire, tu m'avais dit, pendant ce temps, lui, il faisait les recherches. Il cherchait pour te délivrer. Voilà. Il n'est pas passé ailleurs avec toi pour la délivrance. Non, il n'est pas passé ailleurs. Donc, il est tombé directement sur le prophète pour venir ici pour la délivrance. Okay. Arrivé ici, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé ici, et quand il m'a dit ça, j'ai dit non, moi, il se passe aussi. Tu as nié? Voilà, j'ai nié complètement. Ce que tu avais dit 10 voilà, ans avant? 10 ans avant, j'ai nié que je n'étais plus comme ça. Ouais. Il a dit, ah, comme maintenant, je vais à l'église. Il dit non, je vais à l'église, on peut aller à l'église, mais ma femme, qu'est-ce qu'on a arrivé, ça se oui. Il a dit, mais... Tu vas aller à l'église, mais tu n'es pas encore voilà, passé à la délivrance. Pas, voilà. Et c'est comme ça, j'ai commencé à lui dire non, et c'est comme ça qu'on arrive ici. Il a dit qu'il doit faire un bain. Oui. Un bain d'huile. Voilà, un bain d'huile. Oui. Et moi aussi, je lui ai dit que moi aussi, je vais faire un bain d'huile là. Il dit, tu vas venir, je vais faire. Et c'est comme ça, je fais le bain d'huile. J'ai accepté de faire le bain d'huile aussi. J'ai accepté de faire le bain d'huile. J'explique un peu comment la consécration des huiles se fait. Il faut dire que l'huile consacrée, l'huile sainte, se consacre par la grâce, à travers la grâce que Dieu dépose sur son serviteur. L'onction qu'il lui a donnée, la spécialité qu'il lui a donnée, c'est à travers cette spécialité qu'il consacre les huiles. Or, la spécialité du prophète Joël Crasso, c'est le dévoilement et la destruction des huiles de la sorcellerie. Donc, c'est en fonction de ce don que les huiles ont été consacrées. Donc, toute personne qui pratique la sorcellerie, qui vient, si cette personne n'est pas encore délivrée, que l'huile la touche, l'huile peut la détruire, voire même la tuer, peut la rendre folle, et voire même l'emmener, la conduire à la mort. Donc voici, quand elle dit, elle explique, nous allons encore poursuivre son explication. Oui, quand tu as fait le bain d'huile, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai fait le bain d'huile. Alors que toi, tu n'étais pas encore délivré. Non. Tu as nié la sorcellerie, tu as caché. Et tu as accepté de faire le bain d'huile. J'ai accepté de faire le bain d'huile. Oui. Quand j'ai accepté, nous sommes allés. Oui. 2 semaines après, je ne suis pas tombée malade. Je suis allée au travail, à mon retour du travail le soir. Oui. La nuit, peut-être 3 heures du matin. Et j'ai, dans ma tête, j'attendais, je voyais chose qu'on tapait ma tête avec un marteau comme c'était ça. Dur voilà, c'était dur. Bon, je ne savais pas que, je ne savais pas, parce que je n'ai pas senti de mal, rien. Je suis allé traverser le dos de soi, et le matin à 3h du matin, puis ça m'arrive. Je suis devenue, ça faisait comme je vais devenir folle. Oui. J'étais devenue folle et je me déshabillais. Je suis déshabillée, nue. En tout cas, je faisais des trucs même que, bon, et c'est comme ça. Quand j'écriais, la voix arrivait mon mari. Et c'est comme ça, il est rentré dans ma chambre. Il a poussé la porte, puis il est rentré dans ma chambre. Il est venu me trouver que j'étais nue, déshabillée, nue. Je lui ai dit, je vais sortir. Et il m'a attrapé. Il m'a saisi, il dit, non, je ne sors pas. Et qu'est-ce qui m'arrive? Il m'a posé plusieurs questions. Il me posait des questions, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, ah, je vais les dénoncer. Et je disais, j'écriais, et je vais les dénoncer. Et c'est comme ça. Et quand lui, maintenant, il a réfléchi, il a vu que c'est le fait des huiles là. C'est l'huile qui voilà, commençait à déranger. Voilà, à déranger. Et je lui ai dit, je lui ai dit, ah, vraiment, il faut que tu m'amènes chez le prophète Crasso, sinon je vais mourir. Parce que ce que je ressens là, c'est pas une petite affaire. Mais il faut que tu me ramènes où on était parti chez le prophète Crasso. C'est comme ça, on m'a appelé la première matin, Et vous, quand vous êtes arrivé ici, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis arrivé ici, sincèrement, je n'ai pas discuté, je n'ai pas fait chose, je suis allée. Quand ils rentrent dans le temple, il y a un banc des sorciers, des sorciers. Je suis allée, je suis rentrée, je suis allée m'asseoir. Sur le banc? Voilà, sur le banc. Tu as su ta place directement. Au départ, quand tu es venu, tu as nié. Non, j'ai nié. Mais vraiment, je voulais vraiment ma délivrance. Et c'est comme ça, quand le prophète est venu. Voilà. Tu avais tué combien de personnes comme ça? J'avais tué 14 personnes. 14 personnes. J'ai détruit la vie de mon mari. La vie de ton mari aussi. Le prophète a fait ta délivrance. Quand tu dis le prophète a fait ta délivrance, comment tu vis la délivrance aujourd'hui? Qu'est-ce qui prouve que tu es réellement délivré? Bon, en tout cas, la délivrance, sincèrement, ça m'a fait beaucoup de bien. Comment ça? Vous expliquez? Parce que,
Je dors bien. Tu dors bien. Ça veut dire quoi quand tu dis tu dors bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vois plus. Tu ne vois plus. Voilà. Dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel. Ouais. Je suis maintenant dans le monde réel. Oui, dans le vrai monde. Voilà. Ouais. Le deux, tu n'arrives plus à sortir de ton pas corps. À, je n'arrive plus à sortir de mon corps. Je n'arrive plus à rien faire. Je me sens l'air dans mon corps. Je me sens léger. En tout cas, quand je suis là, je ne pense plus des trucs. Ouais. Il n'y a plus des choses qui se passent encore. Bon, souvent, quand je suis là, avant, il n'était pas encore délivré. Je suis là comme ça et je pensais mal. Du mal seulement. Voilà, du mal seulement. Comment tuer, comment détruire. Quand je suis là, comme ça, je dis, bon, cette nuit-là, voilà ce que je veux faire. Il y a eu des tuyaux dedans. Je voulais que la nuit venait vite. Et maintenant, c'est plus la même chose. Maintenant, je pense, positif. Voilà, je pense positif. Libéré dans je suis libéré dans mon corps, dans mon esprit, tout. En regardant la caméra, qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui pratiquent encore la sorcellerie, qui ne connaissent pas encore le centre PNL, le centre du prophète Joël Grasson? Qu'est-ce que tu peux leur dire, ces personnes qui pratiquent la sorcellerie? Ce que je peux dire aux personnes qui pratiquent la sorcellerie, c'est que leur dire, la sorcellerie n'est pas une bonne chose. La sorcellerie, un, ça détruit ta vie et ça gâte beaucoup de biens de ta famille. En tout cas, ça t'amène à faire des choses mauvaises. Ce que je peux leur dire, qu'ils puissent être délivrés, pour qu'ils puissent avoir une nouvelle vie. Parce que c'est comme quand ils sortent de la sorcellerie, c'est comme si c'était comme c'est maintenant ta mère t'a mise au monde. Si tu reprends encore. Voilà, si tu reprends encore à zéro, c'est comme c'est maintenant tu une nouvelle vie, tu es en train de faire une nouvelle vie. Donc vraiment, ce que je peux dire au monde, c'est c'est pas une bonne chose. Voilà, qui cherche à trouver un centre où on peut les délivrer. Et vraiment, ce centre, en tout cas, je crois que ce centre est chez le prophète Joël Grasson. Ce centre où on peut les délivrer. Voilà, où on peut les délivrer, ni pas les maltraiter, ou quand tu envoies des gens pour les délivrer, on les maltraite, on les chicote et même on les tue. Non. Une fois que tu viens dans le sang de Joël Grasson, c'est pour te délivrer de d'enlever le mauvais esprit qui te fatigue. Voici, tout a été déjà dit, l'endroit propice, idéal pour mieux faire la délivrance de la sorcellerie, je crois, c'est ce qu'elle a indiqué le prophète Joël Grasson. Que Dieu vous bénisse.